C'est comme ça. Wello. Lui aux Alain à court de chance. Voilà, chers amis, le président de la Routa vient d'entrer. On va se tenir de vos conseils. Chers professeurs d'université, assistants, chefs de travaux et chercheurs, étudiants des universités instituts supérieurs de Kinshasa, la coalition Lamouka vous souhaite tous la bienvenue.
Avant de commencer notre séance de vulgarisation d'aujourd'hui, je tiens au nom du comité organisateur de cette conférence présenter nos sincères excuses d'abord aux membres du présidium de la MUCA qui sont venus ici depuis 11 heures et la salle était à moitié vide. Je présente aussi les excuses aux collègues professeurs, assistants chefs de travaux et étudiants qui étaient là depuis aussi 11 heures. Il est vrai que la journée d'aujourd'hui a été marquée par les aléas de la nature, la pluie, et nous avons enregistré dans la foulée, jusqu'à présent, 7 de nos membres qui sont arrêtés à Tchangou, ils sont à 4, au Rompuengaba, ils sont à 2, et tout à l'heure, on vient de me signaler à Victoire 2 autres, donc qui sont en train de prendre le bus pour venir ici, on les arrête. Je profite de cette occasion pour exiger la libération sans condition des mamans et jeunes qui sont injustement arrêtés. Alors, il y a des petites consignes à donner, s'il vous plaît, pour permettre la sérénité du débat. J'ai dit s'il vous plaît, je vous prie de mettre le téléphone en mode silencieux. Concrètement, voici comment la séance va se dérouler. Nous sommes dans une campagne de vulgarisation du projet LAMUCA, des réformes de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Le 12 mars à CEPAS, devant les confessions religieuses et les représentants des corps diplomatiques, la coalition LAMUCA a présenté sa proposition de réforme de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Après cette étape, le président de LAMUCA a pensé qu'il faut partager le contenu de cette réforme avec le monde universitaire. Chers collègues, chers étudiants, vous êtes la lumière, vous êtes la lampe torche qui éclaire la société. Ce n'est pas pour rien que vous êtes à l'honneur pour suivre attentivement les innovations proposées par les présidiums de LAMUCA en rapport avec la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. La séance d'aujourd'hui n'est qu'un début, un début d'autres séances qui vont se poursuivre dans le cadre des réformes institutionnelles préconisées par la coalition LAMUCA. Alors, on va procéder de la manière suivante. Dans un premier temps, le premier ministre honoraire, membre du président, Adolphe Mozito, va prendre la parole. Le premier pour retracer le contexte dans lequel ces réformes sont effectuées. Ensuite, il va passer la parole au président élu, Martin Fayulu Madibe. Qui
qui va exposer le contenu, l'économie de la proposition de réforme de cette loi. Je tiens à préciser que nos compatriotes de la diaspora qui nous suivent en direct, ils ont droit à poser des questions. Nous avons défini les mécanismes. Et quand viendra le moment de jeu de questions et de réponses, nous allons sélectionner les questions qui nous viendront de la diaspora. Et chaque membre du président va y répondre. Voilà, chers collègues, chers étudiants, distingués invités, l'élite de la RDC, je vais passer directement la parole au Premier ministre honoraire, M. Adolphe Muzito, pour vous retracer le contexte de la journée d'aujourd'hui. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Merci. Bonjour tout le monde. Je voudrais de prime abord vous remercier, chers camarades, chers professeurs d'université, chefs de travaux et assistants, et tous les publics ici présents, vous remercier d'avoir répondu nombreux à cette activité en dépit, comme l'a dit le modérateur, des intempéries qu'il y a eu. Chez nous, quand il a plu, il y a beaucoup de problèmes de transport. Mais vous vous êtes efforcé et voilà que vous êtes là. Merci encore. Je vais m'exprimer en français, mais de temps en temps, naokota na lingala. Parce que à travers vous, nakzakoloba na population, peuple mobimba ayuka biso. Parce que au mieux, surtout là pour ça, les amis pour naïe, pour na bokonzi naïe. Le bola, coordonnateur, président élu, a exposé contenu à ma réforme, point par point, dans les guerres que fait. Que ça vient autant où il y a beaucoup de tout pour dire surtout il y a un là. Gagne la boutique. C'était la victoire de la CI. Awa, Lukatoeba, la tête de la création. Ils ont dit boni boni, configuration à Séni, elle a dit boni. Na 2010, ça a été réforme pour nous préparer l'élection et à l'imbalami balé, c'est-à-dire 2011. Na 2013, ça a été réforme pour les élections à venir. En principe, 2016, les décimés, ils ont dit le roi Boyi. Qu'est-ce qui a présidé? Ezayi Otinda, ma conseil, la tango à la législateur. Dès que nous avons le bac, mon bête est où la législateur n'a pas de ma conseil. Mon bête est où la canaba conseil, un bon gagné pour ma chef, ma partie politique, ma partie politique, non, oui. Mini, bon, ma majorité, ma journée suivante, vision à barreau, ma conseil, la bête, et comme il a parlé, ma rapport d'endossement, en dépit de quelques débats techniques. Il y a un outil à tout le bateau sur la macabre en haut, la cadre paritaire et en dehors des institutions, quitte à ce que les institutions puissent endosser. On reviendra là-dessus. Donc, pour la ligne basaïque, comme ça, la barre de révision. Et puis, pour la ligne mobile, avant la révision, la ligne basaïque en 2005, les Alaki Bongo, Pétour, les Alaki Bengeni. Mini, la révision, où les Alaki, c'était pour améliorer, plus ou moins. Mais nous allons voir que,
au lieu de l'amélioration, on a fait que politiser la CENI. Nabambo Kamoussou, dans le pays, une vieille démocratie, et Michel Salema, la CENI, Machaka, structure à part, indépendante soit-elle, ce qui déjà n'est pas le cas, ils auront toujours organisé, géré par l'administration publique à travers les ministres de l'Intérieur ou les ministères de l'Intérieur. Va fonctionner au Bajawara, Bangou, Deka, Kabar, ça, c'est l'élection. Mais disons, le roi de Houtaki, dans la rébellion, dans la Bitoumba, dans le Kabouyaï, on a dit, bon, comme beaucoup d'Africains d'ailleurs, à l'Ouest, on a dit, tout ça, la CENI, le Kola, Bakonzi, Baouti, Tipa, il n'a dit pas, il n'a 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 pas, le bon la paix administration avec ses affaires, les bonnes, tout ça, les logos, bon, ils vont s'aller, ça va tenir. Il y a un salaire qui est CI, en tant que voilà. Configuration dans l'euro, il y a là qui est bon, Et ce bon, il y a ça, il faut insister pour leur permettre, le coordonnateur, d'expliquer nos contenus, il faut voir la philosophie à l'évolution. Bazi, CI, en gros, Bazi, en gros, 21 membres, tous venant des partis politiques. Sauf deux qui étaient adopté, mais adopté par les partis politiques aussi, sur l'influence des partis politiques. On avait sur les 21 membres qui constituaient la plénière, 8 membres qui constituaient les bureaux, plus les 13 autres qui s'ajoutaient à ce bureau pour créer la plénière. Les 8 membres, ils avaient 4 présidents, dont un président, les autres, 3 sont des adjoints, 4 rapporteurs, dont un était rapporteur, les autres adjoints. Mais on parti politique représenté. On a dit soi-disant président Azaki Moutou, c'est malheureusement à l'époque, Azaki Moutou, il a saigné en fait, plutôt il y a société civile, en fait il était parrainé par la société civile. Tout le monde sait qu'il était de quelle obédience. Vice-président, premier vice-président, deuxième vice-président. Vous voyez, Ndenge Bakabola Mokondi, Azaki, PPRD, MLC, RCD, Nabao Wanamusus. Donc, 8 membres du bureau auxquels on a ajouté 13, dont 12 Baoutaki n'a pas composant, adoptés toujours par le parti politique à travers les institutions d'alors, les institutions de transition. Deuxième élément, CI en haut, bien qu'ils aient la plénière qu'on appelle en fait espèce de deuxième organe pour gouverner le Parlement, pour voir les contrôles des décisions et des sanctions sur le bureau qui est l'exécutif. Malheureusement, le bureau qui était exécutif était l'instance qui présidait, le président du bureau Azaki pour présider plénière. Donc il était jugé parti. Donc il y a dit qu'on va voter le Parlement, sans gouvernement, ce que j'appelle plénière. Chef de gouvernement préside le bureau ou la plénière du Parlement. Donc c'était déjà débat. Deuxièmement, dans le commission au CENI en 2011, avant de commencer en 2011, en 2010, la salle est réforme. Cette réforme-là était encore plus troublante parce qu'il supprimait plénière et le Dikata, avec 7 membres. Cette fois-là, tous étaient venant de partis politiques, représentant des intérêts partisans des partis politiques. C'est ce qui a fait que le président, qui est membre à PPR. Parce que le président de Bosso Manouman, par la société civile, directement PPR. Donc des organisations partisanes. Et, mais si vous voyez, Bati est sous plénière. La CENI en 2000, oui, élection 2011, dirigée par Koïmoulou. Il n'y avait plus de plénière comme organe de surveillance, d'orientation, de surveillance, de contrôle et de sanction. J'insiste sur la notion de sanction. Dans les questions du bureau, ça dit Makamo, avant de publier, avant de décider qu'on plénière et sanctionnaire. Il y a là qu'on insiste dans le bureau pour justifier la réforme dont le président donnera le contenu. Le mémoire en 2011 et en 2013, en perspective des élections de 2016 qui seront organisées en 2018, Zongisi plénière, mais Batika le bureau toujours, membre de la partie politique, plénière peut constituer par, plénière constituée par 7 membres, dont 5 convoqués parce qu'ils viennent de parti politique, et 2, 1, 2 de la société civile.
Donc, c'était toujours une CENI partisane, sans pouvoir de contrôle et de sanction, parce que cette plénière-là, dans les dispositifs de la loi, telle que révisée, était toujours présidée, la plénière, par le chef de bureau qui était le président du bureau. Premier élément. Deuxième élément, c'est qu'on a un pouvoir qui a été très centralisé et relevé de deux ou président et vice-président. Bah, opération non sélection préélectorale, électorale, post-électorale. C'est toujours le président qui n'a aucun organe de contrôle au-dessus de lui parce que la plénière d'alors, en 2018, n'avait pas de prérogative de décision pour sanctionner les décisions et puis le travail qui a été exécuté par le bureau. Alors voilà, donc, non seulement il y avait trop de concentration de pouvoir, je veux dire, de décentralisation du pouvoir à travers ces bureaux-là, mais il y avait aussi trop de concentration de pouvoir à travers l'administration, parce que j'ai oublié de vous dire que la CENI a trois composantes. Il y a les bureaux, et il y a la plénière qui envoie les bureaux et d'autres membres côtés, et il y a l'administration qui exécute les tâches électorales, préélectorales et électorales. Cette administration-là aussi était très concentrée entre les mains d'un seul service et d'un même individu, relié au vice-président, qui est politique. Enfin, cette CENI et les différentes CENI n'étaient pas indépendantes, n'étaient pas crédibles, n'étaient pas neutres parce que partisans. Il y a un autre salut à la réforme pour qu'on fasse en sorte que la CENI soit neutre, d'abord dépolitisée, et à la tête que le bureau est constitué des hommes politiques. Il faut brûler le bois. Deuxièmement, je vous dis que plénière et à la présidée par un individu, un président, qui est un coordonnateur à cause de la rotatif, mais, avec pouvoir de contrôle, il y a Moussala au lieu de Zakosala. Cette coordination sera tournante, comme le président va vous le dire. Donc, notre objectif, c'est 1. Dépolitiser la CENI, 2. La rendre indépendante, 3. La rendre crédible et la rendre neutre. Voilà la préoccupation des réformes que nous proposons aux forces vives de la nation. Je vous remercie. Étudiantes, je suis très content que vous soyez nombreux et cela prouve que vous vous intéressez à votre pays. Notre pays connaît une situation extrêmement difficile et si nous ne faisons pas attention, le pays va exploser. Et le pays va exploser à cause des politiques. Des politiciens, politiciennes véreux, véreuses qui ne pensent qu'à eux ou à elles. Vous, étudiants, professeurs, élites du pays, vous devez vous révolter de cette situation. Nous devons nous révolter. Tous citoyens conscients, sérieux, ne peuvent pas accepter ce qui arrive dans notre pays. Nulle part au monde, on a vu des gens assister passivement à ce qui se passe à notre pays. Donc, nous avons pris notre responsabilité ou nos responsabilités, nous, leaders de la MOCA. Vous savez que les élections se sont passées
comme vous le savez, le peuple parti voter, le peuple savait pourquoi il votait, pour qui il a voté. Mais malheureusement, on nous a replongé, comme l'a dit notre Constitution. Donnez-moi le premier slide pour dire qu'est la Constitution. Voilà, on peut agrandir un peu, il faut agrandir dans les petits. Là, si on peut mettre la 110, 120, ça va aller. Vous voyez, la Constitution dit clairement que depuis son indépendance, le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à quoi ? Et souligner ça, à des crises politiques dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Depuis 1960. Mais 1960, moi, na Botami, les lois ont commis le troisième âge, Bissoyo. Depuis 60, est-ce qu'il n'y a pas de maturité? Et pour cela, le peuple congolais a décidé, voilà, en vue de mettre fin à cette chronique de légitimité, d'illégitimité, et de donner au pays toutes les chances de se reconstruire, les délégués de la classe politique et de la société civile, force vive de la nation, réunis en dialogue intercongolais, ont convenu de mettre en place quoi ? Ils ont convenu de mettre en place un nouvel ordre politique, fondé sur une nouvelle constitution démocratique, sur base de laquelle le peuple congolais puisse choisir librement et souverainement ses dirigeants au terme des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles. Voilà ce que le peuple a décidé. Le peuple a décidé que désormais, après tout ce qui s'est passé, nous devons mettre en place une constitution. Il l'a fait en décembre 2005. Le peuple est parti au référendum, pas dans une révision catastrophique ou dans une révision voulue comme on a fait le 11 janvier 2011, une révision de tricherie. Mais là, il y a une campagne. On a élaboré le projet de constitution et les gens sont partis partout pour expliquer au peuple quels sont les contenus de cette constitution. Et nous sommes allés au référendum et le peuple au référendum a dit nous voulons cette constitution. On a voté et on a voté, mais les résultats nous ont replongé de nouveau dans la crise qu'on a déplorée depuis 1960. Résultats non crédibles. Résultat non transparent. Vérité des urnes oubliées. Et ça, on a mis, malgré le fait qu'on ait mis en place une institution, le Premier ministre vient de vous expliquer comme on avait mis en place la CEI, la commission électorale. Et cette commission électorale, ça n'a pas fonctionné. Et la clé aujourd'hui, c'est la commission électorale. On l'a appelée commission électorale nationale indépendante. Commission nationale électorale indépendante. Mais ça n'a jamais été indépendant. Je vais vous dire la situation. Troisième slide. Regardez la CENI. Vous allez voir. Le problème de la CENI, le Premier ministre vous l'a dit, un, c'était dépolitisé, à outrance. La dernière CENI, sur 13 membres, il y avait 10 politiciens.
10 politiciens sur 13. Et si vous comptez que le président est tout de suite acheté, quand il arrive, il est happé. Donc il y avait 11 politiciens, parce que Nanga, c'est un politicien, il n'était pas un indépendant. Donc, politiser... Merci. CNI, politiser est totalement dépendant. Pas de transparence, pas de redevabilité. Les messieurs, les dames de la CNI font des opérations. Ils engagent l'argent de l'État. Ils dépensent sans se soucier de rendre compte. Je fais ça parce que quelqu'un m'a demandé de faire ce que je dois faire et le peuple, je m'en moque. C'est ça la CNI. Il y aura élection et élection comme je veux, avec des listes frauduleuses. Qu'on nettoie les listes, qu'on nettoie les fichiers ou pas, je m'en fous, je vais faire des élections. Demander l'audit de la CENI, ce n'est pas mon problème, je suis président de la CENI. Donc il n'y a pas de redevabilité, pas de transparence. Troisièmement, pouvoir concentrer entre les mains de certaines personnes. Le président était le tout-puissant, le vice-président le tout-puissant, les rapporteurs le tout-puissant. Tout le pouvoir concentré entre les mains de ces personnes et le secrétaire exécutif national, concentration du pouvoir. Et j'ai décidé, tout le monde doit venir me voir et après j'ai dit quelque chose, il dit amen. Voilà la CNI aujourd'hui. Donc tout cela a conduit au quatrième, problème, pas de crédibilité et pas de transparence. L'inclusion de la société civile, l'inclusion du peuple, pour que les gens amènent ce que le peuple veut, il n'y a pas d'inclusion. Je vous ai dit 3 membres, en définitive 2, et ces 2-là, quand ils sont là, la première chose, comment moi aussi je peux jouer ma partition pour avoir de l'argent, m'acheter moi aussi des maisons. Ce qui habite le Congolais, c'est que je veux prendre le pouvoir pour m'enrichir. Vous avez suivi que Mme Angela Merkel, première ministre de la plus grande puissance d'Europe, elle est première ministre, mais elle habite l'appartement qu'elle a habité depuis. Elle a des habits qu'elle avait depuis. Pourquoi chez nous, cela s'apparente à la richesse? Sixième problème, les attributions des responsabilités, il n'y a pas de clarté. Qui fait quoi? Le président fait tout, il décide de tout, il change tout. Et le dernier groupe de problèmes, c'est que ce président qui fait tout, ses membres qui font tout, sont impunis. Ils sont impunis, il n'y a rien. Comment voulez-vous que ces gens-là qui ont dépensé près d'un milliard de dollars, où tout le monde dit qu'on a volé l'argent, on a volé l'argent, tout le monde, mais ils sont là, pas d'audit, ils ne vont pas en prison. Mais ces gens-là de la CENI, qui dans les milieux privés aujourd'hui disent qu'ils ont fabriqué les résultats. Et tout le monde le sait. Pas d'impunité. Est-ce qu'on peut accepter ça? Est-ce que nous sommes dans la jungle? Donc, nous avons dit, n'étant pas dans la jungle, il faut réformer la CENI. La vraie réforme, ce n'est pas ce qu'on appelle en français le saupoudrage. Vous prenez quelques articles, très rapidement, vous voulez, vous appelez ça réforme de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Non, nous allons de fond en comble. Et cette réforme, on peut passer au slide suivant. Non, oui. Alors, cette réforme s'articule autour des idées suivantes.
Vous avez trois catégories. La première catégorie, c'est structurelle. Nous voulons dépolitiser la CENI. Je ne le fais pas. Je ne reviens pas, le Premier ministre en a parlé. Dépolitiser la CENI. Nous voulons rendre l'organisation et la gestion des élections crédibles et transparentes. Aujourd'hui, vous avez été élire quelqu'un et vous voyez la tendance. Il faut que la vérité des urnes, ça qu'on appelle la vérité des urnes, il faut que la vérité des urnes triomphe. Nous voulons garantir l'indépendance et l'impartialité des membres et du personnel de la CENI. Vous avez vu aux États-Unis, M. Trump, le président Trump, il a nommé des membres à la Cour suprême qui est, comme a dit le pendant, pour les notre Cour constitutionnelle ici. Mais quand cette Cour devait décider pour savoir ce que le président a demandé, si c'était valable quand il contestait les résultats des élections, la Cour, qui avait six membres républicains contre trois démocrates, en a mis conscience. Les membres de la Cour ont dit que non, Trump, sa demande ne pouvait pas passer. Est-ce que ici ça pouvait passer? Non. Ça pouvait se faire dans ce sens? Comment voulez-vous qu'un président de la Cour constitutionnelle obéisse totalement à un politicien qui est là? On dit que l'institution est indépendante, que ses arrêts ne peuvent pas être contestés. Et ce monsieur ou cette dame est dirigé par un politique. Non, il faut arrêter ça. Nous voulons qu'on proclame les résultats et je l'ai dit qu'ils reflètent réellement la vérité des urnes. Nous voulons déconcentrer les pouvoirs du secrétaire exécutif national actuel. Il a trop de pouvoirs. Il faut partager les pouvoirs et c'est ce que nous appelons fonctionnalisation. On reviendra. Et nous voulons réaffirmer les principes d'autonomie administrative et financière de la CENI. C'est comme les chiens de Pavlov. Vous faites souffrir les gens, vous ne leur donnez pas, vous ne donnez pas de l'argent, et puis après, quand il y a un peu d'argent, vous dites, bon, mais voilà, on va vous donner de l'argent à condition que vous fassiez ceci et cela. Non. Nous voulons rendre effectif l'audit de la CENI. Il faut qu'il y ait un contrôle. On peut passer au slide. Il faut qu'il y ait un contrôle. Vous ne pouvez pas utiliser l'argent du contribuable et sans se justifier. C'est impossible. Donc, nous voulons l'audit effectif et que les gens sachent que demain, l'argent que je suis en train d'utiliser, ce n'est pas mon argent. C'est l'argent du peuple congolais. C'est le peuple congolais qui paye les impôts. On vous a dit ici que c'est l'État congolais qui a financé les élections. Mais l'État congolais, l'argent vient d'où? Pas de vous. Et maintenant, deuxième catégorie de réforme, c'est au niveau des attributions. Donc nous voulons renforcer l'autorité de la plénière de la CENI en tant qu'organe de contrôle. Avant, la CENI, comme on a dit tout à l'heure, dirigée par la même personne que le bureau. Et il n'y a pas de contrôle. Donc aujourd'hui, il y a une plénière. Il y a les membres du bureau qui montent, il y a d'autres qui s'ajoutent à eux, ils forment la plénière, et ces autres-là qui supervisent la plénière. Et donc aussi, nous voulons redéfinir les attributions des organes de la CENI, notamment le secrétariat exécutif national, déconcentrer les pouvoirs pour les rendre beaucoup plus effectifs et plus efficaces. Répartir clairement les attributions de chaque membre du bureau. Donc, il est nullement question que le président, le tout-puissant, vienne dicter ce qu'il veut aux autres. J'ai fait mon travail. Si je ne le fais pas bien,
vous me changez, mais si je le fais, je dois défendre ce travail. Vous me dites de faire autre chose que ce que je devais faire. Je vous dis non, monsieur, madame, vous êtes le chef. Et dites-moi ou signez-moi ces papiers pour dire que c'est moi qui vous ai obligé de faire ça. Mais en âme et conscience, je ne peux pas le faire parce que la procédure dit que ce que moi j'ai fait, c'est exactement ce que je dois faire. Troisième catégorie, nous avons les animateurs et les ressources humaines. Il y a des hommes et des femmes qui travaillent à la CNI. Donc nous devons sélectionner les membres de la CNI sur base de leurs compétences et non sur base de leur appartenance familiale, clanique ou corporation. Non. La CNI, c'est une institution d'appui à la démocratie. C'est une institution congolaise où tout Congolais qui se sent capable doit pouvoir demander à être intégré. Et si les compétences requises pour les jobs, le poste qu'il demande, s'il les a, ces compétences, on les sélectionne. Et s'ils sont nombreux à avoir des compétences, on prend le meilleur. Faire respecter la durée des mandats des membres de la CNI. Regardez, ils sont là. Aujourd'hui, je le vois se pavaner partout et puis commencer à dire, il y a des gens, M. Nanga ne pouvait plus parler au nom de la CNI. Est-ce que c'est normal que M. Nanga commence aujourd'hui à donner des leçons aux gens? Non. Quelqu'un qui est, s'il vous plaît, quelqu'un qui est sous sanction, en plus, sous sanction. Et aujourd'hui, il commence à dire que j'ai autorité sur la matière et je dois donner mon point de vue. Non, non, il doit partir. La CNI a des spécialistes, il y a des animateurs. Dans toute société, quand la personne qui est à la tête s'en va, la société doit s'organiser de telle sorte que le travail continue. Le président Magufuli, paix à son âme, vient de partir. Mais la Tanzanie, tout de suite, il y a une vice-présidente qui va assurer l'intérim jusqu'à la fin de son mandat. Quel est le problème? Il y a des gens à la CNI qui peuvent travailler. Le bureau exécutif national qui est là pouvait continuer les opérations et mettre tous ces politiciens dehors. Et treizièmement, il faudra garantir le droit et la sécurité sociale au personnel de la CNI. Aujourd'hui, l'argent vient pour payer les agents. Non, cet argent est détourné pour aller corrompre les politiques. Cet argent est détourné pour faire des activités personnelles. Pas normal. Il faut garantir la liberté syndicale. Chacun a le droit de se défendre. S'il trouve que sa condition n'est pas celle qui devait être, et la personne a le droit de revendiquer. Donc, on peut se syndiquer pour dire non à la maltraitance. Élargir la gestion de la CNI à d'autres structures de la société civile. Il y a eu beaucoup de questions, et vous allez poser des questions. D'autres structures de la société civile, parce que les gens disent, ah oui, même les églises sont inféodées, même la société civile, oui. Mais la vigilance de la population doit faire que ces gens doivent avoir peur. Le peuple doit contrôler. Si nous mettons les églises, comme vous allez voir tout à l'heure, et que vous demandez aux églises, aux représentants des églises, à ces délégués, d'être redevables à vous, de vous rendre compte, et vous surveillez, moindre faux pas, vous dites non. Et je crois qu'ils ne sont pas, inconscients pour ne pas se comporter correctement. Je crois que là, ils doivent relever le défi. On a crié que c'était des politiques. Maintenant, on vous met, vous le père spirituel, vos délégués, et vous devez les surveiller. Et je crois qu'on va se contrôler chacun. Et en dernier lieu, mettre fin à l'impunité des intervenants dans le processus électoral, j'en ai parlé. Vous prenez l'argent de l'État et vous
vous les dépensez comme vous voulez, vous devez rendre compte qu'elle est en prison. Vous avez le peuple qui est allé voter. Il a voté, vous sortez autre chose. Et il y a des preuves qui montrent que les résultats que vous avez publiés ont été fabriqués, vous allez en prison. On vous a dit... On vous a dit, et tout le monde le sait aujourd'hui, que la CENI n'a jamais publié les résultats bureau par bureau. La CENI n'a jamais donné les résultats des circonscriptions. On vous a dit que pendant que les gens étaient en train de compiler les résultats, surtout des résultats des élections législatives provinciales, ici, la CENI donnait des résultats. C'est venu tout. Et tout le monde le sait. Et ces gens de la CENI eux-mêmes, aujourd'hui, ils disent clairement qu'on nous a forcés. Mes chers amis, comment ils sont encore en liberté? Les mal qu'ils ont causés. Vous savez, ces mal, regardez les pays là où ils se trouvent aujourd'hui. C'est pour cela, chers amis universitaires, nous proposons un système très simple. Vous le voyez au tableau là-bas, nous voulons une CENI fonctionnelle, une CENI dépolitisée. Vous avez un bureau composé de 8 délégués qui sont désignés par les confession religieuse, et vous avez 8 autres délégués des forces sociales. Je vous dirai tout à l'heure d'où ils viendront. Et puis vous avez un rapporteur. Pourquoi le rapporteur de la CENI doit être politique? Non, un rapporteur recruté sur concours. On va dire qu'on cherche un rapporteur, tous les Congolais, toutes les Congolaises qui se sentent capables et envoient leurs demandes. Et puis on organise un concours. Les rapporteurs et son adjoint. Les rapporteurs et son adjoint sont recrutés par concours. Ça, c'est le bureau. Ça, c'est le bureau, le deuxième degré, le deuxième carré. Vous remontez au premier carré, c'est la plénière. Donc, à ce bureau, vous ajoutez 6 politiques, hommes et femmes, qui viennent de la part des politiciens, mais qui n'ont pas la gestion quotidienne, mais qui ont un rôle de surveillance. Ils regardent, ils contrôlent. Est-ce que ça se fait correctement? Si ça ne se fait pas correctement, ils posent des questions et tout le monde, par le consensus, je vous le dis, je vous le conjure, si nous sommes sérieux, si nous disons tous, qu'est-ce que nous devons privilégier? La cohésion, l'avancement de notre pays, le pays en train de partir, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au Tanganyika? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Ituri? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au Nord Kivu? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au sud de Kivu, à Minembwe, dans les contrées environnantes? On tue tous les jours à Beni, à Rutshuru, à Lubero, à Butembo, tous les jours. Qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît. Et donc, il y a un sursaut, s'il vous plaît, il y a un sursaut, je dirais même d'orgueil, qui doit nous habiter pour qu'on se dise, non, trop c'est trop, nous contemporains, on va abandonner notre pays, les Lumumba, les Kasavubu et autres ont tout fait pour avoir l'indépendance de ces pays. Mais Simon Kimbangu, dont nous sommes en train de célébrer le centenaire.
Donc, il y a un sursaut d'orgueil qui doit nous habiter pour qu'on se dise, mettons ce qui nous divise des côtés. Faisons en sorte qu'il y ait cohésion nationale. Et pour qu'il y ait cohésion nationale, les gens doivent regarder dans la même direction. Et pour regarder dans la même direction, nous devons avoir des textes. Le premier texte, c'est la Constitution, nous l'avons. Et puis des lois qui viennent après. Et nous devons regarder tous dans la même direction. Et nous, si nous voulons vraiment que ce pays aille de l'avant, nous arriverons. Voilà la plénière de la CENI, le bureau de la CENI. Et après, vous avez le secrétariat que nous avons appelé le secrétariat technique national. C'est l'ancien secrétariat exécutif national que nous avons éclaté en trois. Vous avez le secrétariat national des traitements, où on va traiter, donc je n'entre pas dans le détail, les informations, les données, et ça, ce secrétariat s'en occupe avec toutes ces directions. Vous avez le secrétariat national chargé des opérations, et déjà la CENI était organisée en 2005-2006 de cette façon. Il y avait un bureau qui s'appelait le BNO, Bureau National des Opérations. Donc on va traiter là-bas, on déconcentre, et la personne qui est là, les personnes qui sont là, ils sont responsables des opérations. Et enfin, on a gardé ce nom, Secrétariat Exécutif National, pour que l'administration et les reporting, les gens qui sont dans les antennes et ceux qui sont dans les provinces, reportent administrativement à ce secrétariat exécutif national, mais ils vont reporter aussi fonctionnellement aux autres directions. Et en plus de ça, sur la colonne de gauche, vous avez des commissions. Donc, nous devons travailler avec des commissions, parce que les commissions vont être beaucoup plus efficaces. Les travaux en commission, et chaque commission est supervisé ou est dirigé par un membre du bureau qui est de confession religieuse et secondé par un membre du bureau qui est des organisations de la société civile. Donc, je vous fais l'économie de ces commissions. On va vous remettre à la fin une petite brochure où vous avez tout ça, vous allez lire et relire pour comprendre exactement ce que nous voulons. Voilà. La dernière phrase. Voilà, je vais résumer. Vous êtes des étudiants, vous êtes des professeurs. Excusez-moi, s'il vous plaît, de résumer et pour prendre ce que vous devez amener chez vous. Donc, voici les innovations qui sont contenues dans notre proposition. Pour la dépolitisation, nous voulons un bureau composé exclusivement des délégués de la société civile, exclusivement. Comment ? Huit confessions religieuses, et ils se sont définis eux-mêmes. Ce n'est pas nous, nous avons pris. Il y a huit aujourd'hui, vous avez l'Église catholique, vous avez l'Église du Christ au Congo, ECC, vous avez l'Église de Réveil, vous avez l'Église kimbanguiste, vous avez l'Armée du Salut, la confession musulmane, et puis, vous avez l'Église orthodoxe et l'Église indépendante. Chacun d'eux délègue un homme ou une femme capable, compétent, compétente pour le ou la représenter à la CENI.
très clair. Et ces gens-là qui sont là-bas sont contrôlés par eux. Et puis nous avons 5 organisations de la société civile qui sont Honneur à la femme, c'est le mois de la femme. Les organisations de promotion de la femme envoient 2 délégués par l'organisation. Pas 2 femmes seulement, mais déjà l'organisation de promotion de la femme envoie 2 délégués. Il y a des organisations d'éducation civique et électorale qui sont ici dans notre pays, qui font un travail merveilleux. Et ces organisations qui connaissent la CEI, ces organisations envoient 2 délégués parce qu'ils sont techniciens. Les mouvements citoyens, nos jeunes gens qui ont contribué à l'évolution de la démocratie, leurs amis, je ne cite que Rosy et Thérèse, ont perdu la vie pour demander la démocratie. Je ne pourrais pas oublier mon fils, Liku Kouroula, un garçon ingénieux, un garçon capable, courageux, qui a bravé des ordres illégaux, tué. Donc, il faut donner à ces jeunes gens-là qu'ils aillent à la CENI pour contrôler les autres. Donc, deux membres pour le mouvement citoyen. Nous avons le Conseil supérieur de la magistrature. Il faut qu'il y ait des gens qui regardent est-ce que c'est conformément à la loi, aux lois et règlements de la République, est-ce que c'est conformément à la Constitution, des actes qu'on va prendre là-bas. Donc, un membre du Conseil supérieur de la magistrature et puis un membre du Conseil national de l'Ordre des avocats. Vous pouvez dire, pourquoi pas les autres? Il y a d'autres organisations. Les organisations des droits de l'homme, il y en a beaucoup. Mais on est obligé de faire un arbitrage. Et pour nous, l'arbitrage était celui-là. Et donc, la présidence, je répète, de ces bureaux est rotative. Entre seulement les 8 membres de confession religieuse. Rotative, vous allez dire, ah non, mais pourquoi rotative? Non, chaque 3 mois. Si vous vous organisez bien, vous faites bien le travail, parce que vous pouvez mourir demain. Si vous mourrez demain, vous dites que vous étiez là pour 6 ans. Si vous mourrez demain, vous dites que la CENI ne continue pas. Donc vous devez faire en sorte. Voilà comment les gens sérieux travaillent. Les gens sérieux disent que quand je quitte mon bureau, je range le bureau. Ok? Je range le bureau, tout doit être rangé et je pars. Parce que vous ne savez pas si vous partez. Il n'y a que Dieu qui donne le souffle de vie. Nous sommes tous allés au lit. Nous sommes tous allés au lit hier, mais il y a d'autres qui sont partis, qui ont quitté les bureaux hier soir. Mais ce matin, ils n'ont pas trouvé leur bureau ou les lundi ne trouveront pas leur bureau. Donc, une présidence rotative pour pousser à la cohésion de ces bureaux et pour pousser à la transparence et pour pousser à ce que les gens travaillent correctement et construire les consensus entre eux. Et toujours dans la dépolitisation, les rapporteurs et son adjoint, je vous ai dit, sont recrutés, je rappelle la candidature, et les questeurs et son adjoint. Et c'est là où tout le monde a dit quel parti va prendre la question, quel parti. Vous avez suivi ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale et au Sénat. Tout le monde, c'est Niyibi. C'est pour cela, s'il vous plaît. C'est pour cela, des fois, il faut applaudir les courageux. Je vous demande d'applaudir notre et mon fils, c'est votre frère Idengo Abeni qui vient de quitter la prison.
vous avez vu, vous avez suivi, s'il vous plaît. Vous avez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous avez vu Idengo a chanté politicien comment? Escroc. Politicien comment? Escroc. On l'a mis, on l'a jeté en prison. Il est resté un peu plus d'un mois. Il est sorti. Depuis qu'il est sorti, il a composé deux chansons. Ça, c'est un courage, c'est un exemple à suivre. Vous ne pouvez plus vous taire. Il a dit que pour mon pays, je ne me tairai jamais. Voilà. Et je termine en disant, nous allons fonctionnaliser les membres du bureau. Supervise chacun une des 8 commissions. Et chaque commission est présidée par un délégué de confession religieuse, secondé par un délégué de force sociale. Et ces commissions-là, les contrôles, assuré par les délégués une politique. Le secrétariat exécutif national est éclaté en 3, secrétariat exécutif national, secrétariat national des opérations et puis secrétariat national des traitements. Voilà, chers amis, la nouveauté ou les nouveautés que nous avons introduit dans cette proposition de loi. Et à la fin, vous aurez, j'ai dit, et je vous remercie, que Dieu vous bénisse. S'il vous plaît, ça suffit à Daniel d'abord.
Lamuka Oye. Lamuka Oye. Lamuka Kobanga Dako Bandisa. Lamuka Kobanga Dako Bandisa. Merci beaucoup. Voilà, nous passons maintenant à l'étape des questions et des réponses. Nous allons procéder de la manière suivante. Nous prenons deux questions à ma droite, deux questions au milieu et deux questions à gauche. S'il vous plaît, donc la première série, les membres du président vont répondre. Quand vous posez votre question, il faut préciser à qui vous l'adressez. Voilà, merci. Où est le micro? On commence ici. Bonjour à tous, merci à toute l'équipe de l'Avocat. Je suis Chantella Tchala, journaliste pour le compte de la chaîne CT News. Ma question se dirige vers Monsieur Martin Fayoulou. Monsieur Martin Fayoulou, vous proposez des réformes. Oui, c'est l'étudiant Michael Mabomba de l'Université de Kinshasa. Ma question s'adresse au président Eli Martin Fayoulou. Monsieur le président, j'ai l'impression de voir que les étudiants du Congo ne participent pas aux décisions de la République. Or, ailleurs, ce sont les étudiants qui donnent l'orientation du développement du pays. Alors, vous avez dit que, aux questions, sélectionner le membre de la CENI sur base de compétences. Ma question se focalise là. Oui, nous savons que l'appartenance politique joue un grand rôle. Est-ce que les étudiants ne peuvent pas aussi faire membres
de la CENI, puisque nous aurons la facilité de se déployer partout sur la République. Et CENI de Nanga, qui est un parti politique, qui nous organise les élections, Boyelelo, à quoi il va tout ceci ma ponamité pour gagner ça aujourd'hui. Nous devons faire lobbying dans les universités avec la coordination de la MOCA. Merci. Ma question se pose au président Fayoulou. Président Fayoulou, je suis étudiant à l'Université Pédagogique Nationale où enseigne votre secrétaire général, le professeur Kitoko. Ma question est celle-ci. Elle est plus sur la question sur le questeur de la CENI. Dans votre nouveau plan, vous proposez que le questeur doit être nommé par le ministère des Finances. Et il doit venir ou il doit sortir des membres ou d'un comptable d'État. Et monsieur le président, ne voyez-vous pas que la CENI perdra son autonomie financière parce que le fonctionnaire est soumis aux ordres des autorités hiérarchiques? Merci. Ok. Au milieu, une question millière. Oui, allez-y. Merci pour la question. Je m'appelle Lucie Damien, chercheur indépendant et juriste de formation. La première question s'adresse au premier ministre honoraire, monsieur Jacques Mouzi. Monsieur le premier ministre, c'est avec excès de joie que nous avons vu ces projets très ambitieux. La question que nous posons est celle de savoir, ou nous vous posons, est celle de savoir quels sont les mécanismes à mettre en place pour obtenir l'acceptation de ces projets par les dirigeants si légitimes qui continuent à nous narguer, étant donné que les plans de sortie de crise qui avaient été proposés peinent à obtenir leur adhésion. La nuance est que nous nous rendons compte qu'ils peuvent prendre ça, mais utiliser d'autres mécanismes que vous ne proposez pas. La deuxième question maintenant au président élu lui-même. Quel conseil donnerez-vous à nous, la jeunesse, si ceux qui sont au pouvoir, de manière dont tous nous connaissons, ne parviennent pas à faire le bon choix pour qu'il n'y ait plus les chaos et les hold-up électoraux que nous avons connus dans ces pays? Devons-nous utiliser l'article 64 ou comment? Merci. Ok. Une deuxième question au milieu. Deuxième question. Merci beaucoup. Moi, c'est David Amissi. Je suis secrétaire général d'un mouvement citoyen ISEUL. Ma question s'adresse au président élu Martin Fayoulou. Monsieur Martin Fayoulou, là nous sommes en train de faire la vulgarisation de votre loi portant sur l'organisation et fonctionnement de la CENI. Je me pose la question, moi, comment est-ce qu'aujourd'hui, vous, qui n'avez pas les affaires en main, comptez-vous, quels sont les mécanismes que vous avez aujourd'hui pour que cette loi soit mise en application, aussi longtemps que ça devait toujours passer par l'Assemblée nationale pour que celle-ci soit mise en application? Quels sont les moyens nécessaires que vous, la MOCA, vous avez mis en place? Merci beaucoup. Merci. Ok, merci beaucoup. Mais c'est la dernière question au milieu. Je réponds au nom de M. Patrick Mbanika. J'ai une question à poser au président Martin Fayoulou. Aujourd'hui, beaucoup de gens vous taxent que vous êtes trop dur, très dynamique. Mais vous avez dit une chose que j'ai aimée, vous avez dit que nous avons tous regardé à la même direction.
Aujourd'hui, si monsieur Tshombo se sentait peut-être, il est très coincé, il y a quelque chose là, quoi. L'Union Sacrée est proposée que vous puissiez aller au dialogue pour bien faire les réformes et préparer des bonnes élections en 2025. Peut-être, là c'est ma proposition. Non, écoutez d'abord, non, c'est... Non, je pose la question. Quelle proposition? S'il vous plaît, laissez-le poser la question. Quelle proposition? Et que on vous propose, écoutez d'abord, pardon, et que on vous propose d'aller, pardon, écoutez-moi, et que on vous propose d'être le vice-président, comme Kabila a travaillé l'autre fois avec 4 vice-présidents, est-ce que vous allez accepter ou vous allez refuser? Merci beaucoup, c'est ça la question. Voilà. Et, cher ami, passez de l'autre côté, s'il vous plaît. Non, comme ça. Ah, la maman, oui, ok, merci. Le moine de la femme. Je réponds au nom de Madame Mélissa. Je suis coordonnatrice de société civile en place. Ma question s'adresse à l'ancien Premier ministre. Monsieur l'ancien Premier ministre, comment voulez-vous mettre fin à l'impunité des intervenants dans le processus électoral pendant que notre pays s'est tout failli une échelle très élevée en corruption? Nous venons même de vivre à l'Assemblée nationale il y a quelques mois la corruption qui se voyait à l'œil. Merci. Bon, ngai question na ngai ezali boye pona président Eli Martin Fayulu. Nazolo bana lingala parce que moto nyoso ayo. Question na ngai ezali boye. Kombo na ngai monsieur Sylvain Ilou, président des points de résistance de Mama et coordonné par monsieur Moulopo. Problème na ngai ezali boye. Martin Fayulu. Population congolaise président. Président Eli Martin Fayulu. La nation congolaise, les Londres et tous les Baboués, a tiré mon thème à Epaïnaïo. Comme la population congolaise a tiré mon thème à Epaïnaïo, pour décevoir la population congolaise. Ça, là, tout est possible. Hôtel et Misa Bendele, il y a une cité. Et si la population a tiré ma boutonnaïe et pas la martin Payou. Tel est Misa Bendele, il y a la mouka, la mouma Oyo. Batonyoso comme bati monte ma ipai na yo sala tuke na problème na ngali kesote na dalindo ko luka moyene na conseiller président. Oh là là. De atele misa bendele ya la muka. Ezali na mo na pasi na monte na monte ma bato. Mutuna. Question. Ezali bulu. Oh. Président Eli Martin Fayulu. Ndenge tozo kene na 2023. Ça là, vous préparez déjà dès le moment dans ce qui va. Dernière question. Ok. Excellence président élu Martin Fayulu, Excellence Premier ministre honoraire, chers condisciples, bonjour. Bonjour. Je réponds du nom de Joseph Mabanga. Étudiant de l'université Révérend Kim. Ma première question est celle-ci. Le centre de tout, cette loi portant organisation et fonctionnement de la CENI est concentré sur la légitimité. C'était le premier point que le président a bien précisé. Alors, ma première question est celle-ci. Président, nous de la coalition Lamouka, parmi la province qui vous a voté massivement, le Congo central fait partie.
Et actuellement, le Congo central vit un désordre que l'arrêt de la Cour constitutionnelle rendu pour la démission du président et du gouverneur Atou Matouane depuis le 27 mai. Soi-disant état des droits en RDC, mais jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas appliqué. Sous la bénédiction de Gilbert Kakonde et M. Félix Tshilou. Cette province vous a voté à 10%. Quelles sont les précautions prises par le président élu pour assurer la légitimité dans cette province? La deuxième question, ma deuxième question est portée sur, nous arrivons aux élections 2023, mais les camps adverses est en train de prendre, comment on peut dire, des faux prétextes, bon, je ne sais pas, des faux prétextes ou des vrais prétextes pour consommer les temps inutilement au sujet du recensement. Quel est votre point de vue au sujet du recensement? Ça peut prendre combien de temps? Et je suis souvent aussi parfois attaqué à tout moment, on me pose la question. Président Naïo Martin Fayoulou, papa Naïe, maman Naïe, Naïe. Alors, président, j'aimerais que vous saisissiez cette opportunité, comme l'a fait le président Obama en publiant son acte de naissance. Il est réellement congolais, de territoire et d'origine. Je vous conseillerais aussi, président, avec tout le respect, de publier cette information afin de mettre tout au clair. Merci. Ok, merci beaucoup. C'est la dernière question. Merci beaucoup. Voilà. J'ai une toute dernière question. Ma question est adressée au président du Moka. Le président élu, comme le premier ministre honoraire, pourrait répondre à ma question. Je suis d'accord. Les réformes sont très importantes, mais nulle part j'ai entendu parler du serveur. Est-ce que le serveur fait partie des réformes? Si le serveur est là, et si ce serveur existe, où est situé ce serveur et comment pourrons-nous faire pour avoir un œil sur ce serveur? Merci beaucoup. En plus, s'il vous plaît, on va donner la parole aux membres du président pour répondre aux préoccupations. Mais avec leur autorisation, j'aimerais ajouter deux questions qui nous viennent de la diaspora. La première question de la diaspora est adressé au Premier ministre honoraire, M. Adolphe Mozito. La question est la suivante. Quelle est la procédure pour qu'une proposition de loi soit applicable dans notre pays? Et comment comptez-vous y arriver? Quelle est la procédure pour qu'une proposition de loi soit applicable dans notre pays et comment comptez-vous y arriver? Deuxième question est adressée au président élu, Martin Fayoulou. Ça vient de la Belgique, de M. André. La question est la suivante. N'aviez-vous pas peur que nous revivions les mêmes scénarios qu'en 2006, 2011 et 2018. Faites-vous vraiment confiance aux élections dans un pays occupé? Faites-vous vraiment confiance aux élections dans un pays occupé? Voilà les deux questions de nos compatriotes de la diaspora qui nous ont envoyées. Merci. Monsieur le membre du président, vous avez la parole. Oui.
deuxième série pour Bandali Colomb. Merci. Je vais répondre à la question où Yasuka et où dit la diaspora. Banina Koto, Banibaneta, proposition de loi pour le social. Parce que projet de loi de l'Outaka, le gouvernement, proposition de loi de l'Outaka, la société civile, nos partis politiques, ainsi de suite. Pour ça, la bonne, pour les applicables, en fait, Banibaloba. Pour ça, la bonne, pour les adopté par l'organe de délibérance, c'est-à-dire par le Parlement, Bongo Bako le Guerreau et Koma, Mobé Bongo, ils avaient proposé à l'heure de la paix de l'Église. Il faut que l'Obaki n'a plan de sortie de crise. L'Obaki, en substance, que Mbokaolo, ils avaient la parole de la Konaki avec en tête président élu. Mais on va investir ça qui est dit que l'on va l'immaculité à la Bokonzi nasser à la institution. Ça, c'est d'une part, et pas une légitimité à peu plus. D'autre part, vous allez là-bas, on va la Bokonzi, basant la institution, basant investir, mais basant la légitimité à peu plus. Tout comme le mot là, d'une part, légitimité, par où basant la là. Mais par où basant la carte, basant la Bokonzi, mais par où tu la peux. Tout ça là-bas. Il y a un autre qui est dit. Donc, on a beaucoup de temps. Dans l'élevé, Bango, Baya, Bissoutouya, consensuellement, nous avons l'élevé de tout ça là-bas de forme, en tant que classe politique et force vive, donc nous sommes bien contrôlés, Bissoutouya, ensemble, nous avons l'élevé de manière paritaire, nous avons l'élevé de tout ça là-bas. Et qui n'a pas adopté un mot par les institutions. Mais, n'est-ce pas, quand même. Et ceci, vous allez voir, il a parlé aussi. Alors, nous avons pris cet exemple, n'est-ce pas, constitution et négocié à Congo, ils allaient en dégainer. Parce que tant que vous avez causé l'indépendance par la Belge, vous avez un parlement. Vous avez un parlement, vous êtes belge, parlement belge, dans le gouvernement belge. Donc, il faut les connaître par côté. Mais en même temps, il va dire que par côté, quand vous avez un peu de bazar, vous avez des le bomba, le zéga, le sabou, et quand le baron vous a dit, bisous, c'est toujours un représentant du peuple. Pour trouver une solution, bisous, n'a pas de député, il y a un parlement belge, il y a un politique, il y a un parti politique. N'a dit ce que vous dites, vous allez légitime, mais vous êtes institutionnel, tout ce qui est au Canada. Constitution, ils allaient à la Belge, ils allaient à la Corée, tout ça. Si on fait ça, ma constitution, on fait ça, ma constitution, au Canada. Et pourquoi on oppose le Parlement, on s'est caché par l'adoption. Depuis ce pays, pourquoi la mort est en train de se faire? Parce qu'on y a seulement. On y a peuple, pas d'aller à l'institution. Tout ça, et si Kawana. Pour tout ça, la loi, tout pour qu'on ait adopté à l'eau pour éclairer le Parlement. Mais dans l'autre temps, ils sont là, mon carreau, Batouazan, pour écarter le peuple avec le président, au peuple avec le Nadi. Tout ça, les propositions d'Abissou, tout le monde dit que, ne peut pas consoler la loi, on propose. Bissou, c'est tout le temps, il y a un mot, on ne peut pas dire, il y a une société civile, il ne peut pas faire tout, il y a une vulgarité, il y a une constitution, il y a une loi. De manière paritaire et constitutionnelle, plutôt consensuelle, la bombe la cimenter déjà adoptée par le Parlement par simple entendement. Ni bien connus, même en situation normale, au pays d'un Parlement, il y a la vérité, au pays d'un Parlement, nous sommes. La proposition de la loi, discuter à la Parlement T. J'insiste beaucoup sur le budget de l'Union. Quand je dis que je suis dans la route, je dis que je suis dans. Mais ça, c'est la question de l'idée idéologique, il y a un bateau dans la majorité, il y a un bateau dans la partie de la banque, il y a un bateau dans la domaine de changer pour le peuple, il y a un peuple à voter, il y a un peu d'idéologie dans la vie. Il y a discuter, il y a un cadre, il y a un responsable politique, il y a un peu de proposition dans le Parlement.
Les judiciaires, ils ont dépendu dans la société. Et leur dépendent dans les deux grands mots.
Ma réforme, on va aussi la faire. On va faire ma réforme côté du judiciaire. Vous voyez, par exemple, les lots. Ma magistrat, quand on engaille, on a multiplié par 5 salaires à Marron. Chiffre à la bouche. Les lots. Je souffre beaucoup, s'il vous plaît. Tant que tu vois judiciaire, les amis clochardisés, pour Bango, va dépendre de ma parole. Tant que ça vient de la parole, les amis qui t'ont. Le président a un coup qui t'a. Par contre, il faut taxer Bango, il va y aller. Par exemple, il faut payer ce salaire, il perd. Par contre, il faut réduire Yamona par l'inflation et par l'érosion monétaire. Car là, magistrat, il a 1000 dollars, 1500, il y a Souka, il y a 1500. Si vous étiez qui t'a, maintenant, il disait pas. À cause de l'inflation, il va conduire au barangaïsson. Ensuite, le budget à fonctionnement, il y a magistrat, il y a Cour suprême. Il y a mon quête, les gens ont mon quête, c'est 20% par rapport au président qui est 30%. Le président a d'abord utilisé deux fois, trois fois plus le budget à la ligne, il va dire qu'elle a un bon côté. Il y a un moment où le magistrat, il y a un bon côté. Est-ce que la personne doit avoir un temps de temps à l'amour? Qui sommes minoritaires et comment on va faire avec la configuration de la CENI qui doit épouser la configuration de l'Assemblée nationale. Non. Maman, Batoyo baza l'Assemblée nationale wana. Mingi bazala qui vote T. Banuma Bango. Nanga a salaki liste na ye. C'est pour cela que nous avons dit que notre opposition n'a rien à voir avec l'Assemblée nationale. Notre opposition, c'est une CENI qui est partie comme ça, comme on dit, budget base zéro. On vous a donné les représentants, les délégués. Ces délégués ne viennent pas de l'Assemblée. La CENI passée, ou en tout cas actuelle, c'était que le président provient de la société civile, confession religieuse, le vice-président de la majorité au Parlement, ou en tout cas à l'Assemblée nationale, le rapporteur, c'est le parti de l'opposition qui vient en première position à l'Assemblée nationale, et ainsi de suite. Donc, vous avez les 6 membres du bureau, un de la société civile, 3 de la majorité et 2 de l'opposition. On ne peut pas accepter. Quelle est l'opposition dans cette Assemblée nationale? Quelle est la majorité? Vous connaissez la majorité? L'union sacrée, c'est quoi? Je vous ai dit que l'union... Merci. Je vous ai dit que l'union sacrée... C'était une deuxième grossesse du couple FCC. Si vous avez compris, s'il vous plaît, je vais expliciter aujourd'hui. Deuxième grossesse qui a accouché des jumeaux. Les jumeaux sont, s'il vous plaît, écoutez, il y a des gens qui suivent sur Internet, permettez-moi d'élaborer et d'être, d'avoir toutes les idées ensemble pour que les autres connaissent. Couple
FCCH avait une deuxième grossesse. Et cette deuxième grossesse, les enfants viennent de naître. Vous avez l'Union sacrée, coalition gouvernementale élargie. Vous savez élargie à qui? Élargie au transhumant de Lamouka. Et vous avez aussi maintenant le FCC qui est resté, FCC Kabila. Donc maintenant ils sont partis à l'Assemblée nationale, ils se disent Union sacrée majorité et FCC opposition. Donc on ne peut pas, ça c'est une fabrication qui est née de la crise qu'ils ont provoquée, une crise superficielle. On ne peut pas accepter la configuration de cette Assemblée. Et je vous le dis, vous avez posé la question, je reviendrai, mais je réponds tout de suite, que le peuple congolais m'avait demandé des armes. Et j'ai dit au peuple congolais que je n'ai pas des armes à vous donner. Mais vous êtes vous-même les armes. OK ? Donc, aujourd'hui... Et une autre question, je réponds en même temps. Vous parlez de l'article 64. Oui, mais l'article 64 est constitutionnel. La constitution est là. L'article 64, ce n'est pas, c'est un devoir. On vous dit que si ça ne va pas, vous peuple congolais, vous devez, vous avez le devoir de mettre hors d'état de nuire. Et donc, cette fois-ci, et je le répète, on ne va pas aller par quatre chemins. Les gens qui disent, ah oui, non, mais vous voulez les élections et il faut évoquer l'article 64, il faut la révolution dans un pays occupé, on ne peut pas aller aux élections. Non, nous sommes des gens qui, nous respectons la Constitution. Nous disons, voilà, allons aux élections. Nous faisons des propositions. Mais demain, le peuple en a marre. Si vous tergiversez demain, moi, Fayoulou, je ferai sortir le peuple dehors. Peuple a un devoir, il y a un peu de temps. 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 Il n'y a pas de glissement. Constitution, il dit que si Mayambula Mitano, il faut élection et salement. Élection et salement. Ce qui est salémi, il y a des résultats pour le peuple. À Senga Kité, Tokotia Bango Libanda. Il y a un peuple qui va à Barabala, Benga Batouana. Alors, Michael étudiant, vous dites que vous avez l'impression qu'on met les étudiants de côté. Non. Sinon, on n'aurait pas organisé cette séance. C'est vous, les fers de lance. C'est vous, l'élite. C'est comme ça qu'on s'adresse à vous. Parmi les premiers. À vous. Mais si maintenant, parce que les étudiants, il y en a qui sont déjà en dernière année, qui vont terminer. Mais si vous postulez, si vous avez ces compétences, parce que certains d'entre vous se forment déjà, ils sont dans les organisations de la société civile, ils sont même dans les partis politiques, si vous avez des compétences, pourquoi pas, comme dirait
mon frère, le père à son âme, Chaloupa. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc les étudiants ne sont pas écartés. Chers amis, nous tous, nous étions étudiants. Nous tous, nous étions jeunes, on était enfants, jeunes, et aujourd'hui, nous sommes en train de passer vers le troisième âge. Donc, on ne néglige pas les étudiants. Après, l'autre étudiant qui pose la question sur les caissières. Les caissières, oui, doivent être envoyés par le ministère des Finances, mais dès qu'il est détaché, dans beaucoup d'institutions de l'État, il y a des comptables de l'État qui sont là. Dès qu'il est détaché, il n'obéit pas aux instructions des ministres. Il obéit au règlement de la République, au code déontologique de sa fonction. Personne ne peut lui donner des instructions autres que la bonne gestion des finances publiques. Donc il n'y a pas de problème. Mais au contraire, les comptables d'État ont peur d'aller en prison. Parce que lui, il connaît la loi. Il connaît les règles de finances. Il sait que si je donne l'argent de la CENI indûment à un politicien, parce qu'on l'a envoyé chez moi, demain, s'il y a un contrôle, je vais en prison. Il ne le fera pas. Et c'est ça l'avantage. Mais il faut que dans notre pays, qu'on commence à appliquer le règle, qu'on commence à appliquer les lois de la République, qu'on les respecte, qu'on les applique. On ne peut pas dire, ah, bien, on va prendre la mission de la grande égoïne. Ah, on va compter tout ça dans la Congo, tout ça va coûter, tout ça va nyama. Tout ça va battre, tout ça va l'engue moko, on va battre les sous sur la mboko yo. Pas pour ça, la macabre, la misère, la bolongo, et ça, au Kenya, et ça, au tombe la boca, la bisous, boca la bambou. Mboko, il faut tomber la yambo. Est-ce que tu es au Kani? Balto, bazalé, ou abassi, mi bali, bilingue, batata, ba mama. Mais comment est-ce que Bisso, nabo moto, yo, na maïro, nzamba, pesi, Bisso, tokumo, ba des derniers de la classe. Mais en plus, nzamba, pesi, Bisso, biloko, yonso, o yombo, que j'en ai besoin. Donc, ne vous en faites pas, nous voulons contrôler et nous voulons commencer. Là, c'est un Congo nouveau qui doit naître, où les règles sont respectées, les principes sont respectés, la constitution est respectée. Quatrième question, quel conseil donnez-vous à la jeunesse si ceux qui sont au pouvoir ne respectent pas la loi, ne respecte pas la constitution, ne respecte pas les résultats des élections? Et vous-même, vous avez dit l'article 64, oui, il n'y a pas à tergiverser. Likambo et Salami Nandenge Amalongate Tokobima Libanda. Vous me connaissez. Je n'ai jamais eu peur de sortir. Je n'ai jamais eu peur de marcher. Aujourd'hui, Bantouba Bengingaï, partout, Bazon Nicolo Nyos, Bandekoya Beni Babengata, Bandekoya Ruchuru Babengata, Bandekoya Ouvira, Bandekoya, surtout pour la Est tous les jours. Ceux qui n'ont pas ni même de Gonangaï, ceux qui n'ont pas 10 téléphones par jour, 5 ans comme Tapuna, Balobique et Araoua, tout ça n'a qu'à ka moyenne. Tokote Gamboka. Est-ce que vraiment Tokozane Sengo, qui est pas noyé à Bissou, Batigana Combo, Bazu Combo, Combo, on est seul à côté, l'autre, il va comme un Wumbu, il y a Batu Bissou. Article 64, Ezali, Ndengena Lobby, Ezali, obligation, constitution et PC Bissou, pour combattre la Mbokana Bissou. Ndevoyamisi, il y a tout une question d'engue. Maman, tout le monde dit, vous n'avez pas de pouvoir, vous n'êtes pas nombreux à l'Assemblée, et comment vous allez faire? Non, nous avons le pouvoir c'est vous. Botangelangaï. Nyenye. Tosoa moko moko na bango. Tosa la tour ya Congo. Tobani na Tanganyika. Tolongue pour la toke na Ituri. Tolongue toke na Nord Kivu. Tolongue toke na Sud.
na maniema to kotiti ngai wana batse bango parce que bali kinga na popularité. Yokangai papa, 62,11% Oye bimaki na serveur ya seni. Soko bakisi batu ya yumbi, ya peni vili, peni territoire kutemo. Et bien vous avez combien? Est-ce que parlement wana? Bazali na légitimité wana? Oyo peuple pesa kingai? Mais je ne sais pas comment les gens réfléchissent. Mais les gens se trompent. Et je dis à tout le monde qui se trompe, s'il vous plaît, soyez responsables. Je dis à tout le monde qui veut intervenir dans ce processus, qu'il soit responsable, qu'il ne se méprenne pas. Aujourd'hui, le peuple sait pour qui il a voté. L'élection présidentielle, c'est un peuple avec un homme ou une femme. N'est-ce pas? Et les Congolais savent. Donc, et j'ai dit, j'ai pris mon bâton de pèlerin et nous n'allons plus laisser faire les choses comme eux ne font pas. Donc, au Tuningaï, ceux qui vont me dire, oh non, Bazoyo, Koutana, Bofanda, Bosolola, tout ça l'élection en 2025. Mais ça veut dire quoi ça? Il n'y a pas de glissement. Il n'y a pas de glissement élection que le Sénat de Liboso anticipé. Ce qui devait l'anticiper, c'est en 2023. Mon toit par l'anganaté, il faut tout ça là-bas élection. Oui. Alors, maman. Toyokani, Nenge, Ndekwalobi, Nalingala, Telemisa, Bendele, Yalamuka, Yango Toko Telemisa, Lamuka, et Zalina Bino, Toko Tika Binote. To Saraki Lamuka, Fokolobaki Nabiso, Boye. Et la région de Japona, Botrahir, Bisote. Et là, vous êtes, Kolobaki Toko Trahir le peuple, Toko Trahir le peuple, ton côté de mise à Bendele. Ma banga. On le dit que la loi, n'est pas le dit en Wawa, ils allaient concentrer ou centrer sur la légitimité. Mais le Congo central vit un désordre de Korangaï. De Konangaï, vraiment, aux en a raison. Mais par là-bas, qui ont arrêté la cour constitutionnelle, Motago contesté en côté. Mais tout ça n'a pas terminé. Arrêté Salema, les loyaux, gouverneur de Babengana, Yewana. Arrêté tranché. Mais est-ce que c'est normal? Est-ce que les gens se regardent? Cour constitutionnelle. Quelle cour constitutionnelle? Est-ce qu'il y en a aujourd'hui? Aujourd'hui, les gens qui sont là-bas, qui ont été nommés illégalement, ce n'est pas une cour constitutionnelle. Et c'est pour cela que nous devons nous mettre d'accord. On ne peut pas accepter cette cour constitutionnelle. Ça n'existe pas. Des gens qui n'ont pas d'autorité. Je vous ai donné l'exemple des États-Unis. Non, il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux pour que les peuples congolais puissent se dire nous avons des institutions et ces institutions sont légitimes et leurs animateurs sont aussi légitimes. C'est ça le premier animateur positif pour le Tchakibno Yali Bosso. Depuis 1960, quelqu'un, mon boulot, Bosalawa, Batoubaïa, gros dictateur, tout le monde est
quand il prend le pouvoir, il devient dictateur. Tout le monde. Le Corangaï, Tokokende, Nanzela, Rogomizamboka, Congo central, c'est-à-dire Nakati, Congo, partout, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train. On ne peut plus accepter tout ça. Autour de l'Ikambou, il y a recensement. Mais le recensement, parce que vous pensez que c'est en 2015. Vous pensez que c'est en 2015. La semaine, semaine il y a du 19 au 26 janvier 2015. Recensement, et d'ailleurs, le code de Bakotanga, Bato Yamboka. Moi, non, y a pas mis les lotis dans mon bango et souka, à Zanamboka. Bakotanga, Bapaya, Bazanamboka. Batangi Bango Nyoso. Bakotanga, catégorie sociale et Zanamboka. Banane, Baminisier. Banane, recensement, Yamboka. Mais ce que vous avez dit recensement, on a, vous avez dit que pour l'élection, vous ne pouvez s'inscrire dans la liste électorale. Deuxième opération. Mais recensement et ça, les macas, dans le cas où d'abord vous avez votre qualifié, vous avez un gros bada kala, vous avez une habitude, vous avez un bakamona. Bisso Awa, depuis 1974, 74. Pardon 84, excusez-moi. Je suis rentré 10 ans. Depuis 84, on n'a jamais fait de recensement. Alors, si Koyo, Bogo, formé Batouana, combien? Ça va vous coûter combien? Aujourd'hui, il faut plus d'un milliard de dollars pour faire ça. Deux, non, non, Boyo Gangaï. Si Koyo, Bogo, recensé, Banani. Bandeko, Ya. Toyokana Maramu. Bandeko ya Uvira, Balobike Balini, Koyoka di Kambona Tamokete. Bandeko ya Beni ya Butembo, Yani. Beaucoup qui ne voulaient censé Banani. Barwane. Bawewa. Beaucoup qui ne voulaient censé Barwande, Baugande, Baburunde, Batanzanie, Boye. Ma compte à Congolais. Donc, les loyaux, Bokanabiso, Nanou et Jui, ma institution légitimité. Tolobi Boye. Oui, recensement de Boye. Mais les autres, ils ont un système moko, ils ont rapide. Motonion, so Oyo, à l'époque de l'élection. Bato, ma télé l'élection, Oyo, Badali, Namboula, Zomina Mwambe, Ti, Liboso. Batouana bakende ko se faire enrôler. Mais enrôlement on est salement malade. Motomoko teya waloko nanga yele biso 10 millions d'effectifs. Non. Ce qui te suit là, dans un premier temps, toyokani, c'est un consensus. Nous pouvons faire les opérations d'enrôlement, on les fait bien, on les surveille et avec ça, nous allons aux élections. Toyokani. Donc, nous pouvons faire l'enrôlement des électeurs, mais on le fait bien. Les recensements, les Kolangaï, Baroya, Kotsi Sabiso, Batou, Awa, ceux qui battent, on a vu ma carte, Oyo, pas recensé, Bango, vu ma carte d'identité, Batrikali, la Congolais, CCCV. Voilà. Yasuka, président, papa Nayenani. Bande Konangaï, Nabozoabino, Oyo Bokosa la délégation, Nakene Nabino Namboka ya Papa Nangaï, parce que moi, les pisso, ma kinoa, ma ben, la disso, tant nous sommes les combattants, comme Boka la disso. Nazamoua, na Kisasa, na Botami, na Hôpital Général de Kinshasa. Na, Boyoka, Bokende, Bokende Gotala, na Makam, na Mikande Zakuna. Na Botami, na Mekao, numéro 30, na Njili. Tokende ki, tango, Cardinal Mbongo, akende ko célébrer anniversaire, pour le 65e anniversaire, de l'église Saint-Thérèse. Sango Mokonzi, a le bi ke Fayulu, a zare ki baptisé Awa,
le 8 février 1957. Ok? Tata Nangai, chef Fayoulou Gérard Mabouya. Gérard Ngabiaga, c'est maman Mabouya. Fayoulou Gérard Ngabiaga. Parce que là, il y a un peu de tribalisme. Je suis un peu de tribalisme. À Salagi Awa na Kisasa na Chaniki. Ok? Na 1971. À Salim Mouta Kisasa na 1971. Et comment qui tourne aye, Yakosa Kimokonzi Yamboka. Ce n'est pas un n'importe qui. Na 71, à Zongi na Mboka na ye, pour la bourgeois Kimokonzi. Ayaki. Donc, Nazali Mokitani Naye, Maman Nangaye Koma Naye Tchaka Marie. Ok? Donc, papa, congolais. Maman, congolaise. Mboka Nangaye, Congo. Toyokani? Toyokani? Baba Nditabino te, parce que Togotala, Nani Tata Naye, congolais. Nani Maman Naye, congolaise. Qu'on révive la situation de 2006, 2011, 2018. Oui, on a peur, c'est pour cela nous avons intégré des réformes avant, des réformes que nous allons, où nous devons accompagner et nous devons préparer le peuple pour que si demain ils font n'importe quoi et que le peuple réagisse sur le terrain. Merci. Le nom est
De le faire sous forme d'un référendum. Ma deuxième
et celle-ci. Président, j'aimerais parler ceci en lingala pour que tout le monde puisse comprendre. Président 2023, et ça nous dit que Soki Biso Adananga a nommé qui va débuter là. Soki Biso Tosoa qui va débuter Minité, et ça peut pas te faciliter qui n'a pas la ticherie, n'a été pour ta débuter. Na kosenga na ba cadre nyoso oyo la muka ba composer en 2023 bazawa oyoka président aza le plus populaire de ba congolais nyoso bino pe bolinga bozala le plus populaire que ba député ya ba kamususu. Nako si za boye. La question, s'il vous plaît. Question. Ma question est à Soukézabo. Président, na loi pourtant que je suis à CENI. Parce que il y a d'autres jeunes qui sont ni membres d'un parti politique, ni un citoyen politique. Mais je vous ai bien suivi. Vous avez dit qu'il y a un seul poste dont les gens vont commencer à postuler où on va faire l'appel d'offres. Les postes sont déjà portés. Président, vous ne voyez pas que là vous pouvez modifier. Au lieu de dire seulement les gens, tout le monde, j'aimerais que vous puissiez réserver ces postes à nous les jeunes. Que le poste des rapporteurs doit être réservé exclusivement pour les jeunes. Merci, Président, pour la parole. Ok. Voilà. Merci, chers amis, question pour mon caca. Nous devons poser une question, une question seulement. Merci, Natata, le conseiller Colo, le président Elie Martin Falmadi de Aigle Supérieure. Mon tour dans la gaille, mon conseil, les amis boyés. Toyoki, au outil de la mission, on nous dit qu'il faut élection et ça là. Mon conseil, Robo Sanaté, en 2006, décochant Pierre Bemba. À l'obaki, a dit qu'il faut élection et ça là. Toyé, en 2011, Deko Etienne Tshisekedi, a dit qu'il faut élection. Qu'il faut élection et ça. Toyé na 2018. Toyo qui décompte Félix Tshisekedi. A pour le balobi, ce qui élection et ça l'invité, Kabila pas qu'on salate. Kasi mon consilélo. Assurance nini ouyo. Ou assurer population congolaise pour que élection et ça l'invité. Merci. Ok. S'il vous plaît, ma question au Bassi va poser déjà. S'il vous plaît, ne revenons plus sur ça. Si on a déjà posé une question, c'est mieux de proposer autre chose. Excellence, avancez. Ok. Ngaï, Naligina Tuna Mutuna. Combo Nangaï, Nazali, le camarade Julien Mboma. Nazali coordonnateur, il y a brasse, il y a résistance, il y a machine à quartier 3. Moutou Oyo, Asala Chipoy, il y a présent Elie Martin Fayou. Moutou Nanangaï, Ezali Liposo, il y a mon conseiller Kolo. Très visionnaire, il y a Congo. Bino Batumozali, Liso, Nabiso, Nakatia Boka. Toi, Komona, Nengen de Kochilombo, a compliqué, Biso, Bayi Congo. Toi, Komona, Ndenge pouvoir ya moibi et comme combattela et comme manipuler population nini ezangi pona biso totele melande ko chilombo avant 2023 asa la démission akanga bisaka naye akende nayo na Rwanda. OK, c'est fini. Kuna ni ko c'est fini bon ta na se possible de se fini bino ba toi ni ko nous se poser ma question na bibi. Merci pour la parole, je suis étudiante à l'UCC. Ma question est celle de savoir, je m'adresse aux deux intervenants,
au cas où que la loi serait passée, on admet que la loi porte organisation et fonctionnement de la CENI. Le problème congolais, c'est la politisation. Quand je regarde la politisation, je vois corruption. Parce que c'est l'argent qui dirige les hommes. Alors, que faire au cas où il y aura changement des hommes, il y aura des hommes indépendants, mais qui restent corruptibles? Que faire face à la corruption qui gangrène les hommes politiques congolais ou bien la société congolaise en entière? Merci. Komo Nangai, Jean-Pierre Lissanga Bonganga. Nalingei natuna motuna na bakundi na nayi bale bamopanso bazayi kozo na biso awa. Bakundi baramuka. Motuna nangai mwango moye. Bakundi. Nabandi ekotomona kini kolomile kati awa poto kosa na ngamini to tambola ki marche munene awa contre moto balingai ko désigné Ronsard Malonga tokoya ki yango sikoyo tozali komona biro nationale zo toyebe sika balingi bamema biso me nalingi bakonzi bayebisa biso tozali na ba réforme. Tozali pe na désignation ya président ya CENI. Pourquoi quand on dit son malam, boye sa biso. Elle est connue pour na biso to kanga malam. Soki bango basali, oyo bino ba kondina bino na biso ko to limite. Boye sa biso to kosala nini? Po to mona ki ya malonga tango ta sali bazongi sima. Oye disapiso tozo mona, nenge bazako ya na moi na moi, po bako ma, na isiko basala kaji kuso. Merci. Voilà. Pose ma question, mon beaucoup na Nassima. Oui, monsieur de Boulle, s'il vous plaît, je vais vous donner la parole. Nassima, oui. Oui, monsieur Angélis Vert. Je suis Kassongo Mbukabange. Je suis Kassongo Mbukabange, l'étudiant à l'IPN en SPA, l'étudiant politologue. Messieurs les présidents élus, les garants de la nation, l'autorité suprême, Martin Fayoum Madidi, ne me trahis pas, messieurs Kabila et Corneille Nanga, messieurs le premier ministre honoraire et futur ministre, messieurs Adolphe Mouzito, distingués invités, professeurs, étudiant, bonjour. Monsieur le président, ma question est celle-ci. Ma question est celle-ci. Oui. Vous avez dit l'union sacrée, c'est une deuxième grossesse. Et moi, j'ai affirmé que cette grossesse, on ne va pas gérer un bébé, on va l'avorter. Vous étiez à quatre dans la montagne. Il y a des qui sont partis parce qu'ils cherchent un poste. Je sais, avant dernière année de la tenue des élections, on va trahir aussi les deux qui sont partis. Ils viendront encore auprès de vous. Est-ce que vous accepterez qu'ils soient avec vous ou pas? Ok. Kuna, chers amis, pas les milliers là-bas. Oui, on va terminer, c'est la dernière question. Oui. L'âme de gauche là-bas, au coin. Ok.
C'est bon. Allez-y. Comme on a des armes qui sont ma zone à bafond. Alignez-la dans la boîte, nous sommes amis. Même au babo postulé. Bamonions, si vous avez pour la population, tout ça va bon. En 2023, ceux qui ont commis Wana ont fait scandale. Et bien, tout ça en marche. Question Nanga Yango Wana. Ok. C'est fini. S'il vous plaît, expliquez à la police. À la venue de la police. S'il vous plaît. À la venue de la police. À la venue de la police. Les membres du président vont répondre aux questions. S'il vous plaît. Mais je vais ajouter les deux questions qui viennent de l'espoir. Deux questions viennent de la diaspora. Première question qui vient de monsieur de l'intérieur, sa province, monsieur Kilosho Okivu. Ensuite, Kivu. La question est suivante. En optant pour la présidence tournante, c'est une question adressée au président élu. En optant pour une présidence tournante, quelles sont les mesures prises pour éviter? Quelles sont les mesures prises pour éviter le dysfonctionnement de ce système? Et pourquoi vous n'avez pas opté pour un système de coprésidence? Pourquoi vous n'avez pas opté pour la coprésidence? Deuxième question qui vient de la diaspora. Martin Fayoulou sera-t-il candidat président de la République pour les comptes de son parti SIDE ou pour les comptes de la MUCA? Monsieur Martin Fayoulou sera-t-il pour les comptes SIDE ou pour les comptes de la MUCA? Enfin, la dernière question adressée au Premier ministre. Je voulais savoir, c'est la question, je voulais savoir comment comptez-vous avoir tous les PV des élections de 2023 pour éviter la fraude électorale de 2018. Voilà, donc on donne la parole au membre du président pour la dernière série. La première question, comment éviter la corruption qui risque de gangréner la CENI, tout le Bakibo, tout tué le mécanisme des amitales. Mais ça, tout le monde. Premièrement, tu as instauré sanctions à l'intérieur de la CENI. Où est la carte? Mini vous posez en corruption dans la bataille de colo. Tout ça dit, le meilleur mécanisme au niveau de boucher la corruption, les alliés ont dit, pour les obliger, par cause y a séni. Et ça, mini, par contre, va pour gérer bureau. Ma église, n'a pas eu la libango, ma adjoint la bango, il y a société civile. Deuxièmement, tout le monde que Kester a voulu à l'Ibanda. Mais Kester a voulu seulement à l'Ibanda, c'est-à-dire qu'il y a des militaires à finance, mais aussi il y a un autre à côté pour ça de sa corruption. Il y a un autre lobby qui chère et à dépense et à la respecter. Et l'Inkoloba, ils ont été beaucoup de monde, où il y a un autre lobby qui a dit qu'il y a un président, il y a un autre lobby qui a engagé des dépenses. Pour liquider les parts, pour relancer un peu pour s'en abattre, il y a un peu de temps. Si quand on est posé là,
moto na moto na huit commissions wana membre ya biro moko on va aller pour gérer commission séparation pour dala lié à côté pour engager les pense il y a dans la droit on s'en fout il faut les pense wana éclairer na responsable et autre dire comment tu dire on a la président à temps wana avant que les à la ordonnance et pas lié lié à engager Adam a beaucoup d'union sauté. Et tant qu'on a le président Pona, il y a un relancé. Adam a beaucoup d'union au côté. Il faut éclairer la question. Christian a l'idée avant de payer avant la comptable. Notre séparation, il y a beaucoup d'années, il y a beaucoup d'union, ça va vous surveiller. Moutounios. Il y a mis parler de ça en sorte que toi, a trouvé le mécanisme du pouvoir judiciaire. Les budgets que vous posez à justice n'a qu'à ce qu'on a un bureau. Comme un des adjoints au Azali Bokamba, l'une des conditions. La route est courbée par les fonds, donc vous savez qu'on a pouvoir judiciaire, mais vous avez qu'à capter par les fonds, mais il y a pas texte. Il y a pas compétence, il y a pas bonzi, il y a pouvoir judiciaire, ou par Hollande, il y a pas d'élection. Vous avez pas d'élection, vous avez qu'à la présidentialité. Ou il y a la Cour suprême. L'élection, vous savez, il y a pas député national, provincial, il y a ils ont signé après par la juge, par magistrat, dans le niveau assez et à travers les provinces. Donc, on sait la réforme pour augmenter le nombre de magistrats. Deuxièmement, pour tout battre sa salaire là-bas. Troisièmement, pour améliorer le budget et fonctionnement pour les magistrats à Coca-Cola. Nous, on peut vous permettre que ceux qui ont salé ça à Coca-Cola dépendent de ceux qui sont dans le tout et à la salle de ça. Donc, il y a aussi un dossier au salaire de salaire. Donc, la réforme, on va mettre la réforme, on se fait la réduire au maximum. Corruption dans le voyage, c'est au niveau et dans le mécanisme de la sanction, ni administrative ni judiciaire. Désignation, il y a président, si j'ai bien compris, désignation, il y a président, il y a CENI. À moi j'ai une question à comprendre le malade, peut-être que le président est assez à cause de la bureau et assez où ils ont été constitués dans six commissions. Et vous avez la présidence tournante. Vous voyez que je vais redésigner au débat de la société civile. Parce que l'église est habitée pour parler par eux. Les autres nous disent que Bazoua et Babondala, membres de la bureau, par exemple, avec la présidence de manière tournante, mais surtout, par vous, dans l'église comme délégué. L'église catholique, déjà, c'est que va parrainer, Nanda, on va parrainer, Malouz, les apparrainages. L'église, il y a aussi la retournée, il y a à peine responsable de l'élection. Donc, les six de l'église, la mission, là, on a responsable, il y a malade qui m'a donné la mission. Les actes qui ne sont pas parrainés, on a une différence entre parrainage et délégation. Donc, nous avons insisté, donc, pas toi, par contre, il y a un délégué, il y a une différence de l'église, oui, pour moi. Mais là, surtout, pour toi, ça, il faut que l'on ait parrainé, dès l'église de Routine dans votre maille, on le reçoit, dès qu'il y a une église de Routine, pas ce qu'ils avaient à faire. Les alliés très, très différents. Donc, ce n'est pas le parrainage, mais la délégation. L'église, il y a un autre que vous avez en cas, il y a Céline dans votre tour, à Routine. En tout cas, dès ici, l'église, il faut répondre. Oui, c'est ça, on a. 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 Oui, c'est ça, Est-ce que tu es la vérité?
vais parler. Est-ce que nous avons la moitié des agents aussi, la moitié des agents. Est-ce que tu vas aller dans la base là? Voilà, donc il faut vraiment toute la solution consensuelle. Autour du sous-sous de Colombio, poste Moko, rapporteur, bon réservé en haut, Narajen, qui a beaucoup postulé. Non, poste à repostulé, ça a beaucoup de temps. Tant que Tanga, Mokando va passer Bino, beaucoup de monde a poste à repostulé, c'est délai. Même le secrétaire exécutif Ouana, secrétaire exécutif national, secrétaire Oyo, il y a traitement, il y a opération. Le secrétaire exécutif provincial, tout ça, il faut appeler la candidature. Il faut pas recruter pour toutes les compétences. C'est ça le but. Donc, le jeune, Oyo, il y a un jeune, il y a un jeune, Botia Oyo, Bazana Mayele, Bazana capable, na baza, tout ça, la makasi que vigilance, ça la teste, on est ça la malamu, Batoyo, Oyo, Bazana Makoki, Bakota. Otuni, Moussous Atuni, quelle assurance que l'élection est comme ça, Ndegorangaï, assurance de l'Ebiso Moko. Est-ce que Boyi, l'élection, ça va toté? Alors, Bomoni que. Batonyon sur la boca, batonyon sur. C'est un peu lobby, Oyo a lobby, Kuna a lobby. Bisonyon sur ton lobby que l'élection il faut et ça l'aime. Alors, étudiant, Oya ICC, maman, vous en avez raison. Et l'eau que vous allez comme un boca, la biso corruption. Corruption en gros, en français, ils ont moins qu'on consomme la lingala la moyibi. Non, consomme moyibi. Tout le monde peut faire la lingala. Tata, maman, donc yo, comment la yo moyibi. Aux alliés à l'Assemblée nationale, aux alliés, qu'on ne bounde la pour la 200 dollars. Aux alliés, qu'on ne pour la 5000 dollars. Donc, vraiment, il a dit Sony. Sony, nous, madame, qui est Salema, nous avons eu un temps, nous avons eu assemblé, nous avons eu un temps, 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 Olobi, maman, problème est venu à la, comment combattre? Bisonio, il faut tout changer. Il faut dénoncer ma camouane. Donc, si Koyo, Oyo, Ayibi,
Comme on a eu une fois qu'il y a un peu. Mais, tout le monde peut avoir 100 jours. Au moins, il y a 100 jours. Parmi tout le monde, mais Bélé. Mais, il y a Sougawat. Nzila. Bande, vous avez beaucoup fait. Mboule Betty, Batma Koufi. Parce que, Mboka, il y a tout le monde, il y a malade. Bande, il faut motonios parce que corruption on a et on a finalement motonios à Fangola mis on a eu motonios tolité contre la corruption. Tu organises Négoli Sanga a voulu Golotuna motuna ya motuya que à la biboye biboso tout moni yawa bureau ya assemblée nationale. Bureau, on est là pour tenir le temps partout. Qu'on soit là, on va négocier, il y a le sambre, le chef religieux. Mais on va dire que nous sommes là. On va dire que nous sommes là, on va dire que nous sommes là, on va dire que nous sommes là, ou bien, on va dire que nous sommes là, réforme avant tout ce bureau. On va dire que dans la réforme. On ne peut pas mettre le bureau ou bien composer la CENI avant la réforme. Je le répète, je le dis en français. Il faut d'abord les réformes. Les réformes consensuelles. Pas les réformes de l'Assemblée nationale. Non. Les réformes entre les parties prenantes. Tout ça, les réformes, voilà. Tout yokani. Bisoto sali proposition la vision yango. Ba misusu baya na yango, to tiango, na mesa, to solola, oto kozwa, nini. Ce qui tozu yango, ndenge eko komama, na mokano to adopte, ndenge to kosala. Mais ce qui va komi, oh non, que confession yon mete routine da président. Non, likamba président, il faut refuser parce que président wana. Attends, je vais répondre quand je reviendrai. Là, c'est ce que je vais lire la question. Donc, on va dire coprésidence. Mais ce que nous avons fait là, c'est ça la coprésidence. Bangounion, ce Bazali Wana, Bango Mouambe Wana, Bazali va président. Mais, Bazali est membre du bureau, mais Moko Nabango Akobima, à l'objet que tout Royo, hier nous posait le modérateur. Que ce qui va bien ici, président a séni quelque part, il y a mon taroquende. Mais pas mon nom, il ne faut pas une macamouniose. C'est ça la coprésidence. Et ça se passe ailleurs. Mais 3 mois, à Silici, à Tiki Mouninga Moussoussou. Ailleurs, 3 mois, à Tiki. Mais tout ça pour faire en sorte que, à Zarate, que macamouniose, vous allez ailleurs, ce qui va l'ingi, va se la jouer dans la porte, ce qui va l'ingi, va se la jouer dans la porte. Ah, on a quand même dit ça, il faut pas de la yaya. Non. Alors, donc, na kosu ki sala ni kambo ya ndeko di sanga, qu'est-ce que nous devons faire? Ce qui batoyo, batingami, nanzela ya mabe. Peuple, l'article 64. Il faut qu'on se prépare. Ma manifestation de l'Igoya. Il faut se préparer. Motomo côté à côté à la dissousse ou à la. Tout à l'heure, comment on a dit ça? La mouka. Que si c'est la mouka, si go yo, oh y'a ni kobe bise les années, y'a ban et un congolais, baban et un congo, à comment on a congolais, la congolaise, ni bosson a été organi. Alors, Kasongo. On a dit que, donc, on a le premier, ça fait ses réponses dans Moutouna. Bande de la diaspora,
Nous avons que la présidence tournante, quelles sont les mesures prises pour éviter les dysfonctionnements? Ok? Pour éviter les dysfonctionnements. Mais le système là que nous avons mis en place, c'est un système efficace pour éviter les dysfonctionnements. Nous avons constaté les dysfonctionnements dans la CNI actuelle. Nous avons étudié le système. Et nous avons essayé de modifier, de rectifier les faiblesses. Et c'est comme ça que nous avons trouvé que pour remédier à ces faiblesses, la première chose, dépolitiser. Pour remédier à ces faiblesses, la deuxième chose, c'est fonctionnaliser. Donner les tâches à tous les membres du bureau. Et pour remédier à ces faiblesses, il faut contrôler et mettre des sanctions. Il y a des sanctions. Ceux qui ont dit, ceux qui ont sali ma paix, au public des résultats, ma paix, lobby, et au Kena Boloko. Et puis, Bogotanga, dans ma attribution, il y a CNI. Dans l'article, donc, on a dit CNI et KI, ma commune, ce qu'on a dit, article 9. La CENI a pour mission d'organiser en toute indépendance, neutralité et impartialité, des scrutins libres, démocratiques et transparentes. Allez, soulignez ça dans le respect de la Constitution, des lois et règlements de la République. Ok ? Et ça va quitter les tiers. Et puis, au KI, on a organisé et géré les opérations préélectoral, électoral et référendaire, notamment l'identification et l'enrôlement des électeurs, l'impression et la distribution des cartes. Nyosowana et Tobadisiamo. Tolobi, vous voyez que l'établissement et la publication des listes électorales, la réception des candidatures, le vote, le dépouillement, la centralisation et l'annonce des résultats provisoires par circonscription, ainsi que la publication de ces résultats par bureau de vote avant le traitement des contentieux électoraux. Libosé, ça va quitter. Te renforcer un mot par bureau de vote. Et ceux qui sont salués par le bureau de vote, il faut pas qu'on abandonne. Donc là, nous avons corrigé. Tout à l'heure, Batou, oh, M. Sou, Bako Tanga, Bako Monique, M. Sou, Bako Bakissa, alors, diaspora, est-ce que Fayoulou sera candidat? Mais à tout le peuple congolais, est-ce que le peuple congolais est Fayoulou sera candidat toté? Yo kaka. Voilà. Donc, Ezali Likambo, Yakoué la thé, Ezali Kambo Yakoué Nisate. Il a dit qu'il y a un peuple. Ce que le peuple veut, Dieu veut. Nzambe, Moutou, il a dit qu'il y a un peuple. Peuple, il y a un peuple. Merci, Mingi. Pour nous, il y a un PV. Bozela, tout ça dit qu'il y a. La loi électorale, il a dit qu'il y a. Je crois que Tokomaka, les 31. Le 31 déjà, nous allons, le 31 mars, nous allons présenter maintenant notre proposition de réforme sur la loi électorale. Wana, Bogumona Makambo Ndengelini, Toko Salon, voilà ma PV. Merci. Voilà. Pour mettre là, ma conseil, la mission est à présider, ma bombe, ma casse, pour remercier ma mort. Merci, merci. Voilà, tout comme la souka ya cérémonie na biso na kosenga ba konzi ya jeunesse na muba baleta pour que ba pesa baninga na biso ba délégation ba université. Merci mingi na ba directive ndengene na kosonga.
Excellence, Monsieur le Président élu de la République démocratique du Congo, Excellence, Monsieur le Premier ministre honoraire, les secrétariats nationaux des partis politiques membres de la coalition Lamuka vous remercient pour votre disponibilité afin d'éclairer la lanterne de la jeunesse congolaise, particulièrement la jeunesse estudiantine, sur les réformes institutionnelles, précisément la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. La jeunesse de Lamuka vous en remercie parce que vous venez de le faire de manière magistrale. Jeunes Congolais, après trois cycles électoraux, c'est-à-dire 2006, 2011 et 2018, tous sanctionnés par la tricherie et la fraude, le Congo ne décolle toujours pas. Il est indéniable que les jeunes, la jeunesse et l'avenir démocratique du Congo, et tout jeune privé ne peut avoir des saluts que par la remise en cause du système établi. Nous, jeunesse, nous, la jeunesse, la Mouka, lorsque nous disons un peu, nous pensons d'abord aux jeunes qui constituent la majorité de la population congolaise. Lorsque nous disons un peuple, c'est bien cet ensemble des citoyens conscients de leur responsabilité, de leur citoyenneté. Et nous profitons de la présence du corps professoral dans la salle pour leur demander de travailler de manière à transformer la jeunesse congolaise en peuple patron, peuple gendarme et gardien jaloux de son patrimoine. Lorsque la jeunesse de Lamuka parle du peuple, nous voulons que vous, jeunes, revendiquiez quotidiennement vos droits. Parce que les peuples qui se développent au monde sont ceux qui revendiquent au quotidien leurs droits, qui savent contrôler de manière responsable leurs dirigeants et les cas échéants les sanctionner avec sévérité. Nous pensons que c'est bien l'absence d'une jeunesse jouant pleinement son rôle de patron qui est à l'origine des dérives que nous connaissons depuis l'indépendance à ce jour. Suivez l'exemple de ces grands leaders, les deux grands leaders. Un certain 19 septembre 2016, le président élu ici présent a été atteint par un projectile juste pour plaider, pour revendiquer les droits de vote dans les délais constitutionnels. Regardez ce grand monsieur, le Premier ministre honoraire. Il a tout laissé. Il pouvait aller comme les autres à la mangeoire. Il a dit non, il reste du côté du peuple. Est-ce que vous pouvez? Nous avons compris que c'est donc la jeunesse qui doit être aux avant-postes de toutes les revendications pour bousculer les vieilles habitudes des régimes assis sur l'usurpation, la tricherie, l'imposture et la fraude. Jeunes Congolais, vous êtes sans ignorer que plus ou moins 80% de la population congolaise est composée de vous, c'est-à-dire des 35 ans et moins. Donc, lorsque les leaders ici présents vous demandent de vous prendre en charge, il est bien temps de le faire. Excellence, Monsieur le Président de la République élu, Excellence, Monsieur le Premier ministre honoraire, comptez sur la jeunesse de Lamuka. Comptez sur nous. Nous sommes prêts à faire ce qu'on appelle l'esprit de sacrifice et l'essence de victoire, comme l'a fait le jeune premier ministre de notre pays, Patrice Lumumba. Chers jeunes, imaginez quelqu'un battu
même tuméfié, torturé avant d'être tué. On lui présente un stylo, un papier écrit à sa femme. Père son âme, Maman Pauline. Le jeune Premier ministre Patrice Lumumba n'avait pas écrit Maman Pauline, cette maison de la Gombe, donnez ça à Roland ou à tel. Mais le message qu'il a écrit, c'est pour vous, jeunes Congolais. Il a dit quelque part, à mes enfants que je laisse, et que peut-être je ne les verrai plus, je veux qu'on dise que l'avenir du peuple est beau, qu'il attend d'eux, comme il attend de chaque Congolais d'accomplir la tâche sacrée de la reconstruction de notre indépendance et de notre souveraineté. Il dit ni brutalité, ni sévice, ni torture ne peut m'amener à demander pardon, car je préfère mourir de la tête haute, mais la foi inébranlable à la destinée de mon pays. Il termine, il dit, quelque part, que mort, vivant, libre ou en prison, sur ordre des colonialistes, ce n'est pas ma personne qui compte. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher président élu, Premier ministre honoraire Adolphe Mouzito. De prime abord, je voudrais vous dire merci. Merci pour ce cadre d'échange et de concertation entre vous et la jeunesse congolaise en général, mais ici, la jeunesse estudiantine en particulier. Cet échange confirme encore une fois de plus votre proximité et votre vouloir de changer les choses. Vous êtes sans ignorer ici que la jeunesse constitue en moyenne 65% de la population, et de ce fait, nous sommes ce fer de lance que vous avez besoin pour le changement de ce pays. Et nous, la jeunesse de la Mouka, de Nouvel Élan, décidé et du Congo tout entier, sommes prêts à vous accompagner pour que nous puissions nous aussi jouer notre part dans ce processus électoral et que pour une fois de plus, le peuple, la voix du peuple puisse triompher. Je vous dis merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre séance de vulgarisation des réformes proposées par la coalition La Mouka. Nous restons assis, les membres du Présidium vont sortir. Après, les invités, les professeurs vont suivre et ensuite les étudiants. Le prof et les invités qui sont devant, vous pouvez suivre. Moi je parle pas. Tous ceux qui parlent. Juste la quintessence. Moi je ne parle pas. Messieurs, vous m'avez déjà vu parler depuis 2 ans? Non. Je parle pas. C'est d'autres personnes qui sont chargées, sont devant. Tous ceux qui sont devant, à droite, l'autre, enfin, je parle du premier rang, c'est eux qui parlent. Merci. Je vous en prie. Merci. Bonjour. Ça va? Yégal, c'est bon. Ah, vous avez fini? Ouais. Ça va?